Le destin a finalement fait les choses. Le 7 mai 2008, Jamel Debbouze disait oui à celle qui allait devenir sa femme pour le meilleur et pour le pire. 13 ans plus tard, les deux époux sont plus soudés que jamais, et n'ont d'ailleurs pas hésité à le prouver sur Instagram en se déclarant mutuellement leur flamme. Sur son compte, l'humoriste avait en 2020 partagé 3 photos du jour de son mariage avec sa chère et tendre, accompagnée d'une déclaration, 7 mai 2008. C'était hier. Et aujourd'hui je t'aime comme jamais. Merci ma chérie. Une publication commentée aimée par de nombreux internautes, sous le charme du couple. De son côté, Mélissa Theriau a dévoilé elle aussi plusieurs clichés de son mariage, en précisant simplement mariée depuis 13 ans aujourd'hui, merci la vie. Et en effet, le destin et la vie y sont pour beaucoup dans leur rencontre. Interdit d'approcher Jamel Debbouze lorsqu'ils se sont rencontrés il y a maintenant près de 15 ans, tous les séparés. Envoyé sur le tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques, pour y réaliser un reportage, Mélissa Theriau avait pour consigne de ne surtout pas adresser la parole ni à Gérard Depardieu, ni à Jamel Debbouze, afin de ne pas les importuner. Chose que la journaliste a respectée, comme elle le confiait sur le plateau de Vivement Dimanche, « Moi, j'ai obéi sagement. » Mais de son côté, l'acteur et humoriste est, lui, tombé immédiatement sous le charme de la présentatrice de Zone Interdite. « Je l'ai rencontré surtout sur le plateau d'Astérix aux Jeux Olympiques où je venais faire une apparition. » Effectivement, à ce moment-là, ma vie a basculé. Depuis, il ne l'a plus quitté. Point à voir aussi, la rédaction à lire aussi Adblock Test. Why?